Reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Son rythme d'eau nous emporte bien loin de toi, vers un pays mystérieux, le beau pays des songes bleus. Flottis contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjouent, ton regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Constantin Rossi, dit Tintin ou Tino, est né à Ajaccio le 29 avril 1907. Son père, Laurent, exerce le métier de tailleur, rue Fesch, au cœur de la ville. Très jeune, Tino découvre Scotto et l'opéra. Le dimanche, il chante devant Eugénie, sa mère. En l'entendant, une voisine qui possède un don de voyance s'exclame « Ce garçon, on en parlera dans le monde entier !» À 18 ans, à la terrasse d'un café du cours Napoléon, Tino tombe amoureux d'une violoniste prénommée Annie. Il la suit sur le continent, mais ne trouvant pas de travail, il revient à Ajaccio et devient changeur dans un casino. Un soir de 1930, au casino d'Aix-en-Provence, Tino est découvert par Petit Louis, un impresario local. Devant lui, il interprète des couplets signés Saint-Granier, un célèbre animateur de radio. Annoncé sur les affiches comme le roi des chanteurs de charme, Tino est remarqué par le représentant des disques parlophones. Il monte alors à Paris pour enregistrer en 1932 un 78 tours qui se vend aujourd'hui à prix d'or, deux chansons intitulées « Nini Nana » et « Chucharella ». Six mois après, une firme concurrente, les disques Columbia, propose un autre contrat à Tino. Il enregistre alors des chansons corses. Damia, surnommée la tragédienne de la chanson, lui donne quelques conseils pour bien se tenir en scène. En été 1933, Tino effectue sa première tournée dans toute la France. Les têtes d'affiche du music-hall, ce sont alors Lucienne Boyer, Pils et Tabet, Mireille, ainsi que Gilles et Julien et Cécile Sorel, depuis le 27 octobre 1933, où elle a créé Vive Paris au casino. Georgius, le roi des fantaisistes, prend la relève sur cette scène avec Parade de France, une revue sur nos provinces. Tino est choisi pour évoquer la Corse. Il crée lui-même sa tenue, chemise et pantalon bouffant, veste portée négligemment sur l'épaule, bottes et guitare. Le 14 octobre 1934, à 22h30, Tino entonne une chanson écrite pour lui par Vincent Scotto. Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs. Pourtant, au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Au corps, c'est île Les femmes ne résistent pas au charme de Tino. Elles sont des milliers à tomber amoureuses de lui. Il devient l'homme idéal. Il est aussi idolâtré que deux gloires du cinéma muet, Rudolf Valentino et Ramon Novaro. Face à cette gloire, Tino reste serein et médite le conseil de Vincent Scotto. Si tu veux durer, chante l'amour. À défaut de le vivre, les femmes auront toujours besoin qu'on le leur fredonne. «
Ce soir, Nina, comment s'aimera? Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras. Tous les deux, nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Après un récital, Tino affronte des marées humaines d'où il ressort avec les vêtements déchirés. Des femmes tentent de s'introduire dans son lit. Un soir, l'une d'entre elles pointe vers lui un revolver en lançant « Où tu m'aimes, où tu meurs ». Comme elle n'était pas mal du tout et que je tenais à la vie, je me suis rendu, racontera-t-il plus tard. Oh, laisse-moi écouter, mon Tino. Je sais qu'au fond, c'est un rêve insensé, mais de vous, je ne puis me passer. Le jour, la nuit, lorsque mon cœur est là, c'est vers vous que je tends les bras. Laissez-moi vous aimer, ne serait-ce qu'un soir. Offrez-moi cet instant que j'attends sans espoir. Quand je suis près de vous, tout mon être est charmé. Qu'importe l'avenir, si je dois en souffrir, laissez-moi vous aimer. Un soir d'amour, rien qu'un soir près de vous, c'est mon désir le plus fou. En septembre 1936, Tino revient au casino, mais cette fois-ci comme vedette de la revue Tout Paris chante. Sur scène, on le découvre dans le rôle d'un berger. Dans la journée, il fréquente les studios de cinéma de Joinville. Il tourne en effet un film musical écrit par René Pujol et mis en musique par Vincent Scotto, Marinella. Entre deux prises de vue, Charles Dullin, créateur et directeur du théâtre de l'Atelier à Paris, lui fait lire du Molière et lui apprend à maîtriser sa diction. Un travail bien utile quand il s'agit d'interpréter certaines chansons du film. Pourquoi donc te montrer si rebelle? L'amour, c'est une chose éternelle. Demande-le quoi, moi, à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh, Catalinetta Vella, écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ah, oh, ma belle Catalinetta. Le film obtient un immense succès populaire. Les critiques, en revanche, sont partagées. Certains affirment qu'il s'agit d'une œuvre fade et niaise. D'autres assurent qu'on peut difficilement imaginer comédie musicale plus fleurie. Dans la foulée, Tino tourne au son des guitares. Tant qu'il y aura des étoiles sous le ciel bleu, il y aura la nuit sans voile, du bonheur pour les gueux. Nous, les gars, sans fortune, nous avons nos trésors. Et seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Tant qu'il y aura des étoiles dans leurs yeux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. En 1937, Tino est la vedette de Naples au baiser de feu avec Mireille Balin, qui vient de triompher dans Pépé le Moko aux côtés de Jean Gabin. Entre Mireille et Tino, c'est le coup de foudre.
la comédienne se révèle alors à la ville, une femme casanière, tendre, mais extrêmement jalouse des admiratrices de son fiancé. En 1937, Tino et Mireille sont sollicités pour aller travailler en Amérique. Ils s'embarquent au Havre, à bord du Normandie. Mireille se retrouve ensuite à Hollywood et Tino à New York. Quelques semaines plus tard, il est consacré vedette de la radio et dans les rues, on le reconnaît dès qu'on entend sa voix. Vieni, vieni, vieni restera 28 semaines d'affilée numéro 1 au hit parade américain, puis sera enregistré par une cinquantaine d'artistes, parmi lesquels Glenn Miller. Veni, 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 tu sei bella, 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 canta me. Veni, 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 tu sei bella, 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 canta me. Paola, mia rondinella, sei la più bella nel mio cuore. Paola, voglio cantare una canzone d'amore. En 1939, Tino rentre en France et se sépare de Mireille Balin. Un soir de 1942, à Aix-les-Bains, Mistinguette lui présente l'une de ses danseuses, Lilia Vetti. Pendant 15 jours, Tino lui adresse chaque matin une gerbe de roses avec un mot de la part d'un admirateur dévoué. Conséquence, Tino et Lilia se marient le 14 juillet 1947 à Cassis. 7 mois plus tôt, Tino a enregistré un refrain composé par Henri Martinet pour une revue marseillaise. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté. Parmi les auteurs favoris de Tino, il y a aussi Charles Trenet et Marcel Pagnol. En novembre 1948, ce dernier propose à Tino le rôle de Schubert dans La Belle Meunière, le premier film de Pagnol depuis son entrée sous la coupole le 27 mars 1947. Cette semaine, Marcel Pagnol, plus heureux que Molière, a été reçu à l'Académie française. Avant d'être admis sous la coupole, le père de Marius assista au mariage de la fille de Rému avec Dominique Noin. Ainsi, le nom du plus illustre de ses interprètes était-il associé à l'éclat de cette journée. Prêt à tirer son épée pour combattre la mauvaise littérature, Marcel Pagnol posa ce matin-là devant le photographe, paraissant s'étonner d'être si jeune et déjà immortel. Sur le chemin de la gloire, Marcel Pagnol semblait impressionner sa femme Jacqueline Bouvier, et l'histoire ne dira certainement jamais si elle fut plus émue en apercevant la coupole qui devait recevoir son mari, ou l'affluence de tous ceux qui étaient venus prendre part à cette journée, placée sous le signe des lettres et du cinéma. Tino et Marcel se sont connus en 1934 par l'intermédiaire de Vincent Scotto. Pagnol a immédiatement prédit au chanteur de charme, alors inconnu, une immense carrière. La Belle Meunière avec Tino Rossi et Jacqueline Bouvier-Pagnol, c'est l'occasion de retrouvailles amicales qu'ils espéraient depuis 15 ans. Oh toi, qu'en rêve je revois
Le jour t'appelle par ma voix, la nuit n'est qu'une trêve. La nuit t'emporte au noir pays, lorsque tu dors, tu me trahis, et je suis Parmi les autres proches de Tino, il y a Maurice Chevalier, chez qui il dîne régulièrement à Marne-la-Coquette. Momo lui lèguera symboliquement une canne à pommeau d'or. Autre ami de Tino, Rému, dont il est le voisin rue Balzac à Paris, et qu'il retrouve régulièrement à la terrasse du Fouquet's sur les Champs-Élysées. Tino est également lié à Sacha Guitry, qui, en 1954, lui demande de chanter dans son film « Si Versailles m'était compté ». Parmi les intimes de Tino, il y a aussi Édith Piaf, qui, dans la rue, a chanté tous ses refrains. À propos des hommes de sa vie, Tino lui lance un jour « À part Chevalier et moi, tu as eu tous les autres. » À quoi Piaf réplique « Toi, tu n'en as pas eu besoin. » En 1951, dans Paris chante toujours, Tino démontre qu'il considère désormais la capitale comme sa seconde patrie. Tino Rossi. Oh, laisse-moi écouter mon Tino. Sérénade sur Paris, partons tous de ma chérie en promenade. Par un bel après-midi, allons tous de mon ami à la cascade. Dans ce Paris si joli, une marchande a fleuri notre escapade. Dans un coin pas loin d'ici, un orgue de barbarie nous fait au bord. Un air d'accordéon revient de Robinson, partout chaque maison redonne une chanson. Chanson que l'on nous envie, vous avez bercé ma vie de vos balades. Mais c'est pour toi, ma chérie, que je chante sur Paris, ma sérénade. Toujours en 1951, voici Tino à l'écran dans l'adaptation d'une opérette marseillaise signée Vincent Scotto, Au pays du soleil. Un film bourré de classiques, Zou, un peu d'Aïoli, Adieu Venise Provençale et Le plus beau de tous les tangos du monde. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde. Après l'opérette marseillaise, l'opérette tout court. En 1955, Francis Lopez propose à Tino de créer au Châtelet un grand spectacle, son titre Méditerranée. C'est un triomphe, 2 ans de représentation à bureau fermé.
sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mais le jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Tous les étés, Tino revient en Corse, une île de beauté dont, pour le public, il demeure plus que jamais le symbole. Le Grand Prix du cinéma français vient d'être décerné au film de François Villiers, Jusqu'au bout du monde. Pour raconter l'histoire d'un père et de son enfant, François Villiers a choisi de montrer la Corse sous son vrai jour. La Corse, on le sait, est cette île qui, il y a 30 ans, envoya Tino Rossi sur le continent. Pour la première mondiale de ce film, il a fait sa rentrée et chanté comme il y a 30 ans. En 1957, à Mogador, Tino chante Naples au baiser de feu. Il est alors, dans le monde de l'opérette, le rival, mais surtout l'ami, de Luis Mariano, Annie Cordy, Robert Manuel et Jacques Charon. En 1963, Tino crée l'ultime spectacle de l'ABC avant sa démolition, Le Temps des guitares. Le temps des guitares. Des copains, le temps du plaisir et de la jeunesse. Quand on a 18 ans, on n'a pas le temps d'attendre longtemps. C'est le temps qui s'en va, il faut à présent gagner de vitesse. C'est le temps qui s'enfuit, le temps des enfants d'aujourd'hui. C'est le temps des guitares. À partir de 1970, Tino s'éloigne petit à petit du music hall. En 1983, il boucle la boucle en célébrant ses 50 ans de chansons au Casino de Paris, la scène de ses débuts. Le 26 septembre 1983, Tino nous quitte pour monter vers un ciel où l'attendent un petit Papa Noël et quelques autres refrains désormais immortels. Marine, non, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour.